des symboles maçonniques, une lumière tamisée. C'est dans ce temple à Guyancourt que la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France est intervenue devant une assemblée exclusivement féminine. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est contre les hommes, loin de là. Hein, on n'est pas pour autant, des femmes qui vont dire on vit entre femmes. C'est pas ça du tout, mais on a besoin, puisqu'on est dans une société dans laquelle on vit en mixité du moment où on naît jusqu'au moment où on meurt, eh bien il y a des moments où on a envie de se retrouver spécifiquement entre nous pour réfléchir, travailler, avant de retourner dans la société mixte. Créée en 1945, la Grande Loge féminine de France compte 14 000 membres à travers le monde qui se réunissent pour des réflexions philosophiques ou bien encore pour débattre de sujets de société. Marie-Thérèse Besson avait répondu à l'invitation de la loge Saint-Quentinoise Concordance. C'est surtout pour faire connaître la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup de gens se posent des questions dessus. Et puis pour si jamais des profanes veulent venir nous rejoindre, voilà, c'est surtout pour ça. Actuellement, la loge Concordance compte une vingtaine de membres.